Eh bien, je vous remercie d'être venu cet après-midi pour cette conférence d'Anatole Lucet qu'on a le grand plaisir de recevoir cet après-midi. Les vivants s'inscrivent aussi comme le Havre de lutte dans cette optique de régénération du discours politique dans la ville du Havre. Et c'est une librairie qui est spécialisée sur l'écologie et aussi sur les questions sociales, que ce soit sur le féminisme, les discriminations raciales, la lutte queer et plein d'autres choses encore. Et l'idée, c'est aussi d'organiser comme ça régulièrement des débats, des conférences, comme on a eu la semaine dernière avec sur le conflit israélo-palestinien. Cette semaine, on va parler d'anarchisme. Et on va parler de la figure de Gustav Landor, qui est une figure qui est à la fois méconnue et pourtant qui, en son temps, a été très marquante et qui a influencé beaucoup de philosophes par la suite. Donc c'est une figure qui est extrêmement intéressante et qu'il est important de redécouvrir aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a invité Anatole pour en discuter. Et la semaine prochaine, donc le 2 mars, on aura un café politique organisé en lien avec le Havre de lutte aussi, encore sur cette question de la lutte des droits des femmes, donc en préparation là de la journée du 8 mars aussi. Donc c'est en fait des choses qui sont vraiment importantes, qu'on a envie de mettre en avant et qu'on a envie aussi de faire partager, de faire participer aussi et d'échanger. Donc vraiment l'idée c'est ça, et c'est aussi une des matières en fait du lieu, c'est vraiment que ça soit un lieu vivant où on peut échanger et on peut apprendre aussi des choses, et c'est toujours bon. Et alors, en quelques mots juste pour présenter Anatole est enseignant en philosophie. Il est titulaire d'un doctorat en philosophie politique de l'ENS de Lyon, et a participé à la traduction, il a co-traduit un des textes majeurs de Gustav Landauer et qui est présent ici, qui s'appelle L'appel au socialisme, et dont on va parler plus dans la deuxième partie, c'est ça, sur la partie un peu révolution, où on retrouve vraiment des idées vraiment fondatrices de cette partie-là. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et Anatole vient aussi aujourd'hui pour nous présenter son livre « Communauté et révolution ». Donc vraiment, c'est tout simplement sa thèse de doctorat. Et c'est une thèse qui est vraiment, vraiment intéressante et assez complète, pour avoir une idée déjà un peu complète aussi de qui était Gustav Landauer. Donc pour dire deux mots, après Anatole va un peu développer. Gustav Landauer, en fait, c'est une figure qui est, comme j'ai dit, qui est assez méconnue et pourtant qui a beaucoup influencé beaucoup de philosophes. Moi, il y a un philosophe que j'aime énormément, c'est Martin Buber, et qui a été un ami proche de Gustav Landauer, et Landauer l'a beaucoup influencé. Notamment dans son écrit de l'Utopie et le socialisme, qui est un des textes vraiment fondamentaux de la pensée de Martin. Et donc, il s'est à la fois, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il il a été autant influencé par Nietzsche, le romantisme, que par Kropotkin, Proudhon, et par des gens comme Bakounine aussi. Donc c'est ça qui va être intéressant. Et en fait, des idées ont été développées, ou en tout cas autour de sa personne, et qui s'avèrent être complètement erronées. Donc c'est aussi l'idée de la conférence de redécouvrir Gustav Landauer et de le replacer vraiment à sa juste place, et de montrer en fait toute la complexité et l'originalité de sa philosophie et de sa pensée. Mais je laisse Anatole nous en dire plus. Merci, oui. Déjà pour l'invitation, pour la présentation assez complète, j'ai plus grand chose à dire, je suis embêté. Et merci au Havre des Luttes pour l'organisation
à la fois logistique, technique et politique de cet événement. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, sur l'intention de ces présentations qui était de régénérer une certaine réflexion politique. On pourrait trouver singulier de donner la parole pas à moi directement, mais à un philosophe décédé il y a plus de 100 ans pour régénérer la pensée d'aujourd'hui. C'est vrai que les vieilles barbes ont quelquefois des choses à nous apprendre, mais est-ce que vraiment c'était la chose la plus pertinente à faire? C'est pour comprendre les problèmes d'aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai passé un certain nombre d'années à travailler sur la pensée de Gustav Landauer, c'est précisément parce que il m'est apparu assez tôt que ce philosophe, donc, qui a vécu entre 1870 et 1919, avait posé en son temps un certain nombre de questions qui se posent encore pour notre époque, tout en apportant des éléments de réponse qui ne sont pas forcément caduques ou qui peuvent du moins nous inspirer pour essayer de trouver quelques pistes pour répondre aux problématiques de notre temps. Donc effectivement, pour ça, ça me paraît essentiel de pouvoir redécouvrir ce philosophe, qui philosophe et révolutionnaire, qui à une époque effectivement avait eu un retentissement certain, qui n'a plus tellement aujourd'hui, d'autant moins dans notre ère linguistique, puisque comme tu le signalais, le philosophe allemand est très peu traduit en français, quoique on soit un certain nombre à y travailler depuis quelques années. Voilà pour ça. Alors, deux mots sur la perspective dans laquelle j'ai fait ce travail-là, puis après j'en viens au philosophe lui-même, Landauer, et à ce qu'il a à nous raconter. J'aimerais vraiment qu'on ait le temps, après une présentation que je vais essayer de faire assez large, mais qui pourra bien sûr pas être exhaustive, de discuter, parce que je présume que en arrivant ici, vous avez peut-être des questions, que vous en trouverez certaines en cours de route et que j'essaierai évidemment d'orienter ce que je vous raconte en fonction de vos préoccupations. Ça pourra prendre des directions assez différentes. Donc voilà, je vais faire quelque chose de suffisamment synthétique pour qu'on ait après un vrai temps pour échanger, ce qui permettra de développer selon les directions qui vous intéressent un petit peu plus. Ça vous va ? Bon, ok. Donc sur juste le travail, tu disais c'est simplement ma thèse. Non, heureusement pas, la thèse a été deux fois plus volumineuse. J'ai dû couper quand même des parties pour que ce soit un peu plus lisible. Donc je le dis d'emblée, même si je suis là pour discuter avant tout, que si vous désirez vous aventurer dans la lecture de ce bouquin, une fois qu'on se quitte, il est écrit pour pouvoir être lu, hein, normalement. Moyennant un peu de juste un peu d'effort, parce que ça demande de se prendre la tête, vous comprendrez pourquoi, c'est quand même fait pour être accessible à toute personne dotée d'une intelligence, ce qui a priori n'exclut pas grand monde. S'agissant de Gustav Landauer lui-même, c'était un auteur qui était beaucoup plus prolifique que moi-même, même si j'ai sorti ce livre qui peut paraître un peu imposant. Là, le livre que j'ai sous la main, L'appel au socialisme, qui est donc son principal texte de philosophie politique, on pourrait dire, qui est donc à la fois la théorie politique et un livre pratique pour penser justement le renouvellement des liens de communauté. Je vous expliquerai comment après. Ce livre-là, donc on a traduit en 2019 à la lenteur, représente 1% de ce qu'a écrit Landauer en termes de volume. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'était un auteur particulièrement prolifique. J'ai estimé qu'il avait écrit à peu près autant que Zola. Mais ce qu'il y a de particulier dans son écriture, c'est que c'était un écrivain qui, de formation philosophique, s'est refusé à faire un traité philosophique systématique suffisant qui, à un moment donné, permettrait de se plonger dans la synthèse de sa pensée. C'est pour ça que je ne peux pas vous proposer le petit Landauer par lui-même qui nous donnerait cette vision un peu simplifiée de ce qu'il raconte et que je suis obligé de prendre un petit peu de temps ce soir pour vous expliquer ce qu'il a cherché à raconter. C'est parce que sa pensée, elle se décline en réalité dans une multitude de textes. Donc il y a dans son corpus, dans ce qu'il a écrit, en gros pour aller assez vite, trois livres de ces dimensions-là et qui ont à peu près la même visée, des livres de philosophie. Il y en a un qui est plus philosophie de l'histoire, qui s'appelle La Révolution, qui pense la place de la Révolution dans l'évolution de nos sociétés. Celui-là appelle au socialisme. Et puis un autre livre qui mêle philosophie du langage et théorie révolutionnaire aussi, qui s'appelle Scepticisme et mysticisme, qui quant à lui n'est pas traduit en français.
Le reste de ce qu'a écrit Landauer, c'est essentiellement, alors pas mal de traductions, il a une importante activité de traducteur aussi, hein, à la fois des classiques anarchistes, mais aussi de textes plus littéraires. C'est également le premier traducteur du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie vers l'allemand. Il a cherché à faire connaître pas mal de textes, j'en reparlerai plus tard dans sa langue. Et c'est surtout l'auteur d'une quantité phénoménale de lettres et d'articles. L'avantage de ce support, c'est qu'il permet de suivre l'évolution de sa pensée sur les 30 années de sa vie où il a pu écrire. Et c'est ce qui m'a permis justement de m'immerger dans cette pensée un peu complexe pour pouvoir essayer après de redonner une forme de cohérence à une pensée qui était extrêmement éclatée. Et donc c'était ça l'objet de mon travail, et c'est ça que j'ai essayé de vous proposer ce soir, c'est de voir une synthèse de ce que ce penseur singulier peut nous apporter pour essayer de penser les rapports entre individus et communautés, à la fois à partir des questions de son époque et à partir des questions qui peuvent nous animer aujourd'hui. Voilà. On y va, du coup. Donc, je vais faire comme si vous ne le connaissiez pas, parce que je sais bien que il commence à devenir très connu, mais il n'en reste pas moins que certaines personnes auront peut-être envie d'avoir un simple rappel de qui était Landauer. C'est un personnage, donc je vous disais, qui a vécu entre 1870-1919. Ces dates-là, ce sont celles de la deuxième période de l'Empire allemand, période qu'on appelle l'époque wilhelminienne, du nom de Guillaume II, qui est à cette époque à la tête de l'Empire. C'est important de connaître ce contexte-là parce que ça vous permettra aussi de voir un petit peu les points communs et les différences qu'il peut y avoir entre son époque et la nôtre, et pour pouvoir aussi mieux saisir en quoi les questions qu'il pose peuvent quelquefois entrer en résonance avec les nôtres. L'époque wilhelminienne en Allemagne, c'est une époque de modernisation à marche forcée du pays. C'est-à-dire que c'est le moment où l'Allemagne va sortir du statut de grande puissance agraire pour devenir, en une décennie, à peine plus, l'une des principales puissances industrielles européennes, avec toutes les transformations socio-économiques que ça a pu impliquer. C'est-à-dire, d'une part, une massification des usines, évidemment, qui s'installent dans les villes. De ce fait, une densification du tissu urbain et une concentration de la population absolument inouïe jusque-là, avec tous les effets qu'on a pu constater dans d'autres capitales, enfin d'autres pays qui ont connu cette industrialisation, comme l'Angleterre, c'est-à-dire une forme de paupérisation aussi dans les villes et de nouvelles formes de sociabilité qui se créent en remplacement de sociabilité plus traditionnelle qui pouvait exister dans les communautés villageoises de la période agraire. Dans le même temps, toutes les structures de la vie commune connaissent elles aussi une forme d'inflation quant à leur dimension, c'est-à-dire que là où les villes deviennent énormes, on voit aussi d'autres structures se densifier ou bien apparaître et devenir massives. Et ici, je pense notamment aux structures qui s'intéressent spécifiquement à la question du vivre ensemble, et notamment les partis politiques, pour partie, les syndicats, autant d'organisations qui cherchent à un moment donné à organiser la vie commune en lui donnant éventuellement une nouvelle orientation, parce que ces différentes structures font toutes le même constat: la société ne tient plus de la même manière qu'avant et cela pose des problèmes. Alors, quels sont ces problèmes? Je peux les énoncer très rapidement, mais les déplacements de population qui ont pu avoir lieu avec l'industrialisation de l'Allemagne ont forcément créé des formes de déracinement qui ont mis à mal ces formes d'appartenance traditionnelles que j'évoquais tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire que cette mobilité a pu permettre à un moment donné à certains de se sentir émancipés de structures villageoises et pesantes de ce fait, mais en même temps ça a aussi signifié l'essor de rapports peut-être plus anonymes dans les villes, autant de choses qui ont été décrites en long, en large et en travers par les contemporains de Landauer, qui font cette expérience. Une expérience de ce que j'appellerais très rapidement une forme d'individualisme, de fait, croissant dans la société de l'époque. C'est dans ce contexte-là que Gustav Landauer grandit. Qu'est-ce que ça va produire chez lui? Alors, il faut voir que, donc, déjà, sociologiquement, c'est important de le voir.
Landauer, c'est qu'il naît dans une petite ville du sud de l'Allemagne, Karlsruhe, petite ville bourgeoise. Ses parents vendent des chaussures dans la rue principale. Il n'a pas de problème matériel particulier qui pourrait le sensibiliser à ce qu'on appelle déjà la question sociale. Mais son vécu à lui est fait plutôt d'une espèce d'ennui, de langueur, puisque il grandit donc dans cette petite ville sans grande perspective, puisque finalement il se heurte à ce que ses contemporains appellent déjà le philistinisme. Alors, ce terme un peu exotique aujourd'hui, il faut prendre le temps de s'y arrêter. Le philistin, c'est quoi ? C'est un type de personne que l'on trouve décrit aussi bien chez Nietzsche que chez Flaubert ou que un tas d'autres contemporains de cette époque. Le philistin, c'est cet individu, on pourrait dire un peu étriqué, sans perspective, sans aucune forme d'idéalisme, qui prend la vie comme elle va et s'en satisfait. Le philistin, c'est celui qui... au moment où son enfant lui fait part de ses rêves d'ailleurs et de son envie d'aller étudier le théâtre, la littérature, s'en inquiétera pour essayer de l'inciter plutôt à suivre le parcours familial menant vers la médecine. C'est ce qu'a cherché à faire le père de Landauer quand son fils lui dit qu'il voudrait bien aller faire de la philologie et de la philosophie. Il cherche à l'en dissuader pour finalement laisser le jeune Landauer partir à faire ses études plus littéraires. Mais c'est ça, le philistinisme. C'est cet état d'esprit qui tente à limiter les perspectives, à poser un horizon bien trop proche à ceux qui aspireraient à un monde différent. Et ça, Landauer en fait l'expérience dans toutes les strates de la société, puisque... il voit bien autour de lui, effectivement, que la possibilité d'un ailleurs est tout à fait... absente. Ça le rend avant tout triste, pas forcément révolté tout de suite, mais il va donc chercher cet ailleurs dans la littérature, dans le théâtre. Il passe beaucoup de temps au théâtre de Karlsruhe, il se plonge également dans les classiques de la littérature, il lit beaucoup de Goethe, mais il va aussi aller lire des textes plus modernes, Ibsen par exemple, chez qui il trouvera justement, ce sera le début, vous allez voir, de la constitution d'une personnalité politique. Il trouvera chez Henrik Ibsen, le dramaturge, quelque chose de l'ordre d'une aspiration au juste et plus seulement au beau. Hein, c'est-à-dire aller au-delà de la quête d'une vie magnifiée, hein, c'est ça, qui irait au-delà des standards de la bourgeoisie de son temps, mais également aller chercher quelque chose comme un nouvel équilibre dans les rapports humains. Et donc c'est le tout jeune Landauer, celui dont on trouve déjà des témoignages, parce que sa correspondance là aussi qui est massive, hein, commence autour de ses 14 ans. On a récupéré des lettres de cette époque-là, et on voit à quel genre de jeune idéaliste était l'adolescent Landauer. Et on voit aussi quelles traces ça a pu laisser dans sa pensée. Tu évoquais tout à l'heure l'importance qu'a joué le romantisme allemand dans la constitution de sa personnalité politique. C'est quelque chose de déterminant. C'est un personnage qu'on pourra dire voilà, romantique, mais romantique, comme le disait Michael Levy, à qui vous cherchiez à parler l'autre jour, romantique révolutionnaire. Et donc ça, on va voir comment le côté révolutionnaire se constitue dès les années qui suivent son départ finalement du foyer familial. Ça va ? Ouais. Ok. Si j'en dis trop, quoi, vous me faites signe. Donc Landauer est à Karlsruhe, il s'ennuie, il est entouré de philistins et il rêve d'autre chose. Il s'inscrit à la fac en philologie et philosophie et comme la plupart des étudiants de cette époque, il va aller dans différentes universités année après année. Il commence par une année à Heidelberg, puis il va aller à Strasbourg pour finir troisième année à Berlin. Et alors si à Strasbourg il avait déjà... commencer à mettre la main sur de la littérature plus proprement politique, notamment il découvre la question, le socialisme à travers le livre La femme et le socialisme de Auguste Bebel, qui deviendra le chef du Parti social-démocrate, Auguste Bebel. C'est en arrivant à Berlin que véritablement il fait la connaissance pour la première fois de cercles qui sont, quant à eux, véritablement politisés. À un moment très particulier de l'histoire des gauches allemandes.
Donc encore une fois, à ce moment-là, on n'a pas grande idée du mouvement socialiste déjà existant, de ses enjeux, des luttes ouvrières, mais il a ce mécontentement qui sera le terreau, si vous voulez, de ces luttes à venir. Qui va-t-il rencontrer en arrivant à Berlin ? Des groupes de personnalités qui sont un genre de bohème littéraire, artistique, ont en commun soit une activité poétique ou bien un intérêt pour le théâtre. Certains sont dramaturges, d'autres tentent d'organiser divers événements artistiques. Mais ils se retrouvent tous également autour d'une identité socialiste forte, constitutive, identité qui s'est construite très tôt au banc du socialisme social-démocrate de l'époque. Alors, il est temps que je peut-être pose quelques distinctions sur ce qu'on appelle socialisme à l'époque et sur ce que j'appellerais socialisme en parlant de Gustav Landauer. Vous voyez ici que le livre qu'il écrit s'appelle « Appel au socialisme ». Pourtant, la présentation que tu as faite de la discussion évoque l'anarchisme de Gustav Landauer. Alors, il faut bien entendre ici que pour l'auteur dont je parle, les deux mots d'anarchisme et de socialisme sont des synonymes. Il l'affirme. Il va même, selon les moments de sa vie, il parlera de l'un ou de l'autre. Pendant quelques années, il utilisera même le mot composé anarchisme-socialisme, avec un tiret au milieu, pour vraiment signifier que ces deux réalités ne sont pour lui que les deux faces d'une même pièce. Il aura tendance, au bout d'un moment, finalement, à préférer le mot socialisme, en tout cas dans les discours qu'il tiendra de manière publique, ouverte, dans ses publications, estimant que, finalement, l'anarchisme n'est qu'un synonyme, je le cite ici, n'est qu'un synonyme du mot socialisme, mais moins bon du fait de sa négativité. Pourquoi négativité ? Anarchisme, étymologiquement, ça vient du grec, donc anarchos, la privation de quoi ? Alors, selon les traductions, pouvoir, principe, mais donc être anarchique, c'est sans pouvoir. Or, Landauer estime que ce à quoi il va aspirer, vous comprendrez comment quand j'aurai un peu plus élaboré sur son projet, ce à quoi il aspire n'est pas que le refus de quelque chose, mais bien l'affirmation de nouveaux rapports sociaux. Et à ce titre-là, une étiquette aussi teintée de négativité que celle d'anarchisme risquerait de créer une méprise sur ce qu'il entend. Voilà. D'ailleurs, enfin, quand on parle d'anarchisme, bien souvent, l'image d'Épinal qu'on a, c'est soit celle du lanceur de bombes avec un couteau entre les dents, qui donc est en tant que tel destructeur avant tout, ou bien on pense au slogan qui n'est pas anarchiste à la base, qui est blanquiste, mais qui a été associé à l'anarchisme, ni Dieu ni maître. Bon, bah, ce ni montre bien qu'il y a un refus initial dans l'anarchisme qui, certes, est fondamental, mais qui n'épuise pas cette option politique. C'est donc pour cela que Landauer cherchera bien à affirmer l'anarchisme comme finalement un socialisme véritable, à l'entendre. Donc, voilà, quand vous m'entendrez parler de socialisme au sens de Landauer, ce sera toujours à comprendre comme socialisme qu'on dirait aujourd'hui libertaire, qui met l'idée de liberté au premier chef, et non pas socialisme comme le socialisme représentatif qui passe par la voie des élections, socialisme donc de la social-démocratie, qui serait, le type du parti social, du parti socialiste aujourd'hui, ou encore également en Allemagne, le SPD, le Parti social-démocrate d'Allemagne, qui est fondé du vivant de Landauer et qui existe encore aujourd'hui. Vous verrez que le Parti social-démocrate allemand va constituer, en tant qu'il est l'incarnation d'une certaine option politique, l'un des opposants théoriques structurants de Landauer, contre lesquels il va justement élaborer sa propre pensée. J'y reviendrai notamment en parlant de ce livre-là. Donc les personnes qu'il rencontre en arrivant à Berlin, parce que tout ça c'est pour revenir à Berlin, les personnes qu'il rencontre sont des dissidents du Parti social-démocrate. Des personnes qui, alors même que ce jeune parti, alors jeune parce qu'il a été pendant un certain temps banni d'Allemagne, c'est-à-dire que le Parti social-démocrate n'était pas autorisé à se constituer en Allemagne sous l'Empire, jusqu'à ce que finalement il soit à nouveau autorisé, et donc à ce moment-là, ses membres soit sortent de la clandestinité, soit reviennent en Allemagne, et constituent un véritable parti. Mais au sein de ce parti, des dissensions se font sentir très tôt de la part de personnes qui finalement se retrouvent bien dans l'option
socialiste, c'est-à-dire l'idée d'une société organisée autour alors, d'un mouvement notamment des travailleurs, des ouvriers, mais qui en même temps, ces dissidents, qui s'inquiètent de certaines tendances du Parti social-démocrate, tendances centralisatrices, c'est-à-dire que tout se décide à la tête du parti, si vous voulez, et du coup, tendance aussi autoritaire, puisque c'est une ligne doctrinaire qui va à un moment donné nier toute autre option socialiste, en tout cas, qui fera en sorte de monopoliser la définition de ce qu'on appelle socialisme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très nettement dans les débats de l'époque. Le Vorwärts, qui est le journal de la social-démocratie allemande, n'a pas de mots assez durs contre toutes ces voix du socialisme qui cherchent à sortir de la ligne officielle du parti. En gros, en disant que rien de tout cela n'est socialiste. Donc, contre ça, Landauer et ceux qui rejoignent, qui se nomment eux-mêmes les jeunes ou les socialistes indépendants, vont chercher à penser à un autre socialisme, un socialisme qui mette effectivement au cœur de ses préoccupations l'idée de liberté, des idées également d'autogestion, j'y reviendrai, pour faire ce qu'on pourrait appeler finalement un socialisme anarchiste. Et donc ça, Landauer n'a pas 20 ans quand ça commence, et ça va aller à ce moment-là très très vite. C'est-à-dire que au sein de ce cercle-là, il va devenir très actif, il comprend assez vite, voire très vite, les enjeux, il s'en imprègne pleinement, il participe à des mouvements de grèves importants qui, à Berlin, vont à ce moment-là animer la ville. On peut penser à la grève des ouvriers du textile, les grèves des brasseries également, des grèves des boulangeries aussi, industrielles. Et Landauer va donc rejoindre ces mouvements-là et très vite être propulsé au rang de porte-parole de cette tendance socialiste anarchiste pour rejoindre notamment les différents congrès socialistes internationaux qui s'organisent à l'époque, ici ou là. Et donc il ira à Zurich, il ira à Londres pour représenter le mouvement socialiste anarchiste allemand. Et quand je vous disais que ça va très vite, c'est parce qu'il n'a pas encore 23 ans quand la police impériale allemande, dans ses papiers, donc secrets évidemment, mais qui ont été depuis retrouvés, indique que Landauer est l'agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical en Allemagne. Donc c'est comme cela qu'effectivement, il a pu finalement se retrouver propulsé sur le devant de la scène, et on le voit donc échanger dans les congrès socialistes avec les dirigeants du Parti social-démocrate des différents pays, et donc August Bebel, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'un d'entre eux, voilà, va être à la tribune face à Landauer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement les anarchistes de tous ces congrès-là vont se faire à chaque fois bouter dehors par les autres participants, estimant que ceux qui veulent une société socialiste sans prendre le pouvoir, c'est-à-dire sans être élu, ne sont pas vraiment socialistes et que donc ils n'ont pas leur place ici. Bon. Ça va toujours ? Je vous rassure, j'ai une approche chronologique pour l'instant. On en est à 23 ans, il meurt à 49. Je vous laisse faire vos comptes. Je vais peut-être faire un pas de côté par rapport à l'approche chronologique, justement pour vous dire un petit peu tout de suite, concrètement, qu'est-ce que moi j'ai retenu de cette personnalité politique, théorique, et puis après, je leur dirai quand même un petit mot de comment il en est venu là. Mais que l'on sache, voilà, pourquoi Landauer, je vous dis, bon d'accord, il est anarchiste, pas social-démocrate, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment propose-t-il de changer la société, et puis dans quel sens? Quel est son projet, en fait, à quoi il aspire? Alors certes, pas au philistinisme, il veut des perspectives, il veut l'idéal, il veut également que l'on puisse retrouver une forme de lien entre les personnes, puisqu'il fait, il éprouve dans sa chair, dans son quotidien, cette atomisation dont je parlais tout à l'heure, le fait que les liens sociaux éclatent à son époque. Ben ça, il aspirera à le retrouver. Il cherchera, comme d'autres de son temps, à recréer les conditions d'une certaines formes de communauté ou d'appartenance commune. Alors il l'appellera pas forcément toujours communauté, et puis la manière d'y venir sera toujours singulière, mais je pense que pour vous donner tout de suite l'expression la plus efficace de ce qu'il a cherché à faire, et puis après je vous expliquerai comment il en est vu là, je vais emprunter les mots de Martin Buber dont tu parlais tout à l'heure,
Martin Buber, donc, qui était, comme tu l'as rappelé, un philosophe bien plus connu que Landauer, qui a vécu bien après lui. Il était plus jeune que Landauer et il l'a rencontré à Berlin en 1900 et ils ont été de très proches amis jusqu'à la mort de Landauer. Étroits collaborateurs également. Leur pensée s'est mêlée d'une manière quasiment inextricable, de sorte que découvrir Buber après Landauer ou Landauer après Buber, c'est s'interroger sur la part de l'un chez l'autre, tant ils sont influents. Mais donc, qu'a fait Buber pour Landauer ? Il a donc d'une part été le légataire testamentaire de toute son œuvre, c'est-à-dire que lorsque Landauer meurt assassiné par des troupes contre-révolutionnaires, c'est Buber qui va se charger d'envoyer toutes ses lettres, tous ses papiers à Amsterdam pour essayer de les sauvegarder, y compris lors des premiers autodafés. Je ne l'ai pas encore dit, Gustav Landauer était de famille juive, ce qui ne lui vaudra pas forcément un succès retentissant dans les années 30 en Allemagne. Martin Buber va non seulement donc se charger de faire connaître Landauer, de faire publier ses textes, mais il va aussi chercher à réaliser son idée de la communauté par la suite, notamment dans des projets communautaires qu'il mettra en place en Palestine. J'en redirai un mot un peu plus tard parce que la question est assez complexe. Mais donc, Buber, qui a eu vraiment un rôle déterminant pour la réception de Landauer, écrira, après la mort de Landauer, une expression que je trouve extrêmement parlante, donc je vous la livre telle qu'elle. Il nous dit « Notre communauté, donc celle à laquelle on aspire, celle que l'on veut créer, notre communauté ne veut pas la révolution, elle est la révolution. » Et donc cette idée-là, je vous la donne parce qu'en réalité, j'ai découvert la phrase après avoir donné le titre à mes recherches, « Communauté et révolution » chez Gustav Landauer, mais elle permet bien de comprendre le type de révolutionnaire qu'était Gustav Landauer. C'est un personnage qui cherchait effectivement à transformer radicalement les conditions d'existence pour recréer des formes de communauté. Il déplore l'individualisme de son époque, il cherche à aller parvenir à autre chose. Et en même temps, cette révolution qu'il juge nécessaire pour recréer des liens de communauté, il ne pense pas qu'elle puisse se passer indépendamment de la communauté elle-même, communauté que l'on cherche à créer. C'est-à-dire que ça ne peut ni être le fait de quelques pionniers qui iraient faire le coup de force pour renverser la société, ça ne peut pas non plus être le fait d'individus épars. Il faut une communauté pour faire une révolution, mais de même qu'il faut une révolution pour faire une communauté. Alors, cette dialectique particulière, je la redévelopperai par la suite, mais j'y insiste parce que ça nous permet de voir qu'effectivement, Landauer a cherché toute sa vie à créer des formes d'appartenance commune qui permettraient ensuite de reposer les bases d'une nouvelle forme d'appartenance commune. Donc le lien comme ça entre communauté et révolution, vous allez le comprendre, est chez lui constant. Alors, par quoi ça va passer ? Je disais, de nombreuses expérimentations, des choses très concrètes et matérielles. En 1895, Landauer participe à la cofondation de la première coopérative de consommateurs à Berlin. Coopérative qui s'appelle Befreiung, donc émancipation, pour laquelle il écrira un texte programmatique où il explique justement en quoi cette organisation des consommateurs est une étape nécessaire pour une véritable révolution s'il s'agit de s'opposer au capitalisme, puisque, je ne l'ai pas dit, mais parmi quand même les deux grands adversaires de l'anarchiste Landauer, on compte l'État et le capital. Donc on verra de quelle manière il entend s'en extraire, ou en tout cas s'en émanciper. Donc coopérative de consommateurs, mais il va aussi participer avec le même groupe des jeunes socialistes indépendants à la fondation de théâtre populaire dans les années 90, 1890 aussi à Berlin. Théâtre populaire, quel rapport avec la révolution, quel rapport avec la communauté? L'idée est que ce qui nous fait tenir ensemble, ce qui peut recréer un lien ou en tout cas une envie de se rapporter les uns aux autres pour créer quelque chose ensemble, ça se joue sur le plan du sensible. C'est-à-dire qu'on peut expliquer aux personnes toutes les bonnes raisons qu'il y a de s'organiser différemment pour être plus heureux, plus riche, plus mieux loti, moins mal en point. Mais rien de tout cela n'adviendra, d'après Landauer, si cela reste sur un plan purement théorique.
Et c'est pour ça aussi que c'est un auteur un peu particulier. C'est que il aurait pu écrire peut-être de grands traités expliquant très précisément voilà, comment transformer la société, mais il estimait que la seule parole efficace était une parole sensible qui pouvait résonner chez les personnes qui l'entendaient. C'est pour ça aussi qu'il a fait énormément de discours qui donc n'ont pas été écrits. Et c'est pour ça qu'il a donc, comme je le disais, hein, traduit de très nombreux textes, mais textes littéraires qu'il a publiés également. Landauer, c'est quelqu'un qui pensait que pour que les personnes se retrouvent et aient envie de créer des choses, il faut qu'ils aient non pas un projet au sens d'un programme politique, en tout cas pas que ça, mais qu'ils aient ensemble une certaine envie de faire quelque chose. Et ça, il le fera quand il a 25 ans avec le théâtre populaire à Berlin, mais il cherchera à le faire à nouveau l'année précédant sa mort, quand il sera appelé à Munich pour participer à la Révolution allemande, je vais en parler dans un instant, où il sera appelé à participer à révolutionner les consciences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire révolutionner les consciences chez Landauer ? J'en viens à cet épisode final de sa vie. Et vous comprendrez peut-être le sens de son engagement. Celui qui lui a donné cet ordre de mission, c'est Kurt Eisner, qui a été l'un des meneurs de la révolution allemande à Munich. Alors déjà, peut-être un mot, parce qu'on ne sait pas tous ou pas toujours qu'il y a eu une révolution en Allemagne à cette époque-là. Il faut savoir qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand s'effondre, l'empereur fuit à Varennes à sa façon, et avant que la nouvelle République de Weimar, que l'on connaît un peu mieux, ne se mette en place, on a à peu près 6 mois d'intervalle au cours desquels de très nombreuses options politiques vont être proposées, voire proclamées. C'est-à-dire qu'il y a certains jours en Allemagne où on proclame 2 républiques à 2 endroits différents au même moment. Tout ça se fait à la fois dans des discussions extrêmement animées, mais aussi dans des conflits, quelquefois très violents. On connaît notamment en partie la fin de la Révolution allemande, puisque c'est à cette occasion-là que des personnes un peu plus connues comme Rosa Luxembourg ou Karl Liebknecht, qui luttaient à ses côtés, ont été assassinées par des corps francs, c'est-à-dire des milices d'extrême droite, à Berlin. Bon, ce sont les mêmes milices d'extrême droite qui ont été appelées quelques semaines plus tard à rejoindre Munich pour y mettre fin à la révolution, dont Landauer était devenu, un petit peu à son corps défendant, l'une des figures prominentes. Alors, quel a été son rôle dans la révolution ? Je vous le dis un instant, là, il a donc été assassiné de manière assez cruelle par ses corps francs. Quel a été son rôle ? Qu'est-ce qui lui a valu d'être finalement si menaçant, encore une fois ? Je vais vous montrer un petit peu ses réalisations, ce qu'il a pu faire quand il était au pouvoir. Je le dis avec quelques guillemets, mais vous comprendrez dans un instant le sens que ça veut dire. Lorsque Landauer a eu un rôle déterminant dans la révolution allemande, c'était autour du mois d'avril 1919. Il est nommé le jour de son anniversaire, il en est ravi. Il est nommé délégué populaire provisoire, et il insiste sur le provisoire, à l'éducation, la culture et la propagande, au sein de l'un des nombreux et éphémères gouvernements de la République des Conseils de Bavière. Alors, République de Conseils, c'est une forme de république qui s'organise autour de conseils. Alors, souvent on dit ouvriers, mais ouvriers, paysans, soldats également. C'est une forme d'organisation sociale qui part d'en bas, d'une discussion assez horizontale. Le conseil, c'est ça, c'est plus grand que... C'est un peu plus nombreux que ce que nous sommes ici, même si on est quand même déjà très nombreux. Mais c'est une forme d'organisation horizontale et qui cherche à penser le pouvoir sans forcément diriger immédiatement des dirigeants. D'où cette idée de délégué populaire, qui est simplement, si vous voulez, une forme de porte-parole, de mandaté plutôt qu'autre chose. Et Landauer va tout de même être propulsé à ce rôle-là. Alors il y restera 4 jours, puisque 4 jours plus tard, c'est un nouveau gouvernement qui est proclamé, dont il ne fera pas partie, qui sera un peu plus marqué sur une option communiste, mais le gouvernement plutôt qui contient pas mal d'anarchistes auxquels il participera, va lui valoir pendant un temps d'avoir la main sur la presse qui a été captée par les révolutionnaires. Et que va faire Landauer quand il aura
la possibilité de publier à peu près ce qu'il veut dans les journaux, bon, bah, certains se disaient que c'était peut-être le moment de justement publier cette parole qu'attendaient les révolutionnaires pour leur dire où aller, que faire finalement, pour bah, d'une part essayer de pérenniser leur mouvement, de créer un gouvernement stable, même d'éviter simplement d'être écrasés dans le sang comme ils le seront moins d'un mois après. Bon, Landauer ne fera rien de tout ça. Il va donner effectivement quelques directives concrètes, mais il va publier dans les colonnes des dernières nouvelles de Munich des poèmes de Walt Whitman, traduits en allemand, ainsi que, c'est ce que je voulais vous montrer ici, quelques gravures cubistes, qu'il va chercher à diffuser. Alors, j'en ai une ici, quelques autres après, si vous voulez, je pourrais vous faire voir cela. C'est assez significatif, parce que certains à cette époque-là se disent, ça y est, Landauer débloque, il est arrivé au pouvoir, il ne sait pas quoi faire, il panique, et il nous fait des grandes créations artistiques. Pour lui, la perspective était tout autre, c'est-à-dire que à mon avis, à ce moment-là de sa vie, donc il a 49 ans, il est face à un moment révolutionnaire unique, c'est-à-dire qu'en Allemagne, pour la première fois depuis sa naissance, se produit quelque chose d'une grande ampleur. Certains pourraient dire effectivement c'est le moment d'en finir avec cette forme d'idéalisme anarchiste qui consiste à se dire qu'il ne s'agit pas de prendre le pouvoir, de ne pas se salir les mains à aller dans un gouvernement, et que voilà, c'est le moment d'assumer sa position, finalement, de revêtir ses galons pour donner la direction à suivre. Il me semble qu'à ce moment-là, Landauer a été l'anti-autoritaire qu'il a toujours cherché à être. C'est-à-dire que, au lieu de dire comment faire, il a cherché, encore une fois, à susciter chez ses contemporains une envie. L'envie de faire émerger quelque chose de la communauté qui allait peut-être se constituer autour de ce partage sensible, ici autour d'une œuvre d'art, autour d'un texte, c'est-à-dire de rassembler les personnes, de faire vibrer en eux ce qu'il appelait leur esprit. Alors, je vais parler un petit peu de cet esprit dans quelques temps, qu'il faut comprendre comme esprit de solidarité, si vous voulez, un principe présent en chaque individu qui lui donne envie d'aller voir les autres pour échanger et puis demander qu'est-ce que tu veux faire toi, comment on s'organise, et partir de là pour, à partir de ces personnes de même aspiration, faire naître une autre forme d'organisation. Donc, ce que j'espère juste vous montrer à partir de cet exemple final de son existence, c'est que pour l'anarchiste, le changement social ne peut pas être décidé. Il ne peut pas être imposé, encore moins imposé. Puisque, en anarchiste conséquent, il estimait nécessaire de laisser advenir, au sein de la communauté, partant des aspirations de chacun, le modèle social qui correspondrait à cette entente entre les personnes. Et c'est pour ça que je vais juste rebondir sur l'idée que Landauer a pu être un utopiste. On a pu dire ça de lui pour différentes raisons, et le terme est prête à pas mal de confusion. Donc je vais m'y arrêter en deux mots pour comprendre comment on peut effectivement ou pas voir Landauer comme utopiste. Si ça vous va. Martin Buber, tu l'as dit, évoque Landauer dans un livre qui a été traduit en français sous le titre « Utopie et socialisme », dans lequel il évoque notamment un certain nombre d'auteurs qui ont été critiqués par Engels après Marx comme étant des socialistes utopiques. Alors, chez Engels, le socialisme utopique, ça veut dire quoi ? Ce sont des penseurs qui pensent leur projet social indépendamment des conditions concrètes, hein, chose que le continuateur de Marx avait à cœur de mettre en avant. Pour Engels, si on veut changer le monde, c'est bien beau d'avoir des idéaux, mais surtout il faut voir ce qu'il se passe effectivement. Et donc Engels oppose dans ses textes des années 1890 les socialistes utopistes, ces espèces d'idéalistes, parmi lesquels il classe Fourier, Proudhon, Owen, à des socialistes scientifiques
qui serait finalement l'apanage du marxisme. Alors le socialisme scientifique, je pourrais en parler après, il y a beaucoup de choses à dire sur le rapport au marxisme de Landauer. On verra si je le fais ou si j'attends de voir si ça vous intéresse. Mais contre cela, contre ce socialisme scientifique, Landauer va effectivement affirmer notre besoin d'un idéal. Ça, il le dit. Alors je pourrais vous lire juste quelques lignes ici, parce que ça me paraît assez, assez intéressant à entendre. Hein. Le socialisme est la tendance volontaire d'êtres humains unis pour créer du nouveau au nom d'un idéal. Et dans les pages qui suivent, on est au tout début de l'appel au socialisme, il va parler d'idéal comme ça sans cesse, idéal, esprit, esprit, idéal, ça n'arrête pas, à tel point qu'il dit, voilà, à un moment, il est beaucoup question dans ce texte d'idéal, mais c'est parce que nos contemporains parlent aussi peu d'idéal qu'ils n'en sont pénétrés. C'est-à-dire que, selon lui, justement, ça fait tout à fait défaut chez ces socialistes scientifiques imprégnés de l'idée que, en fait, on pourrait juste faire advenir un changement parce que c'est nécessaire et que c'est correct. Hein, si vous voulez, une forme d'idée de nécessité théorique, de dire il y a un modèle qui correspond bien à la société telle qu'elle est, donc ça va advenir. Ça, bon, je ne peux pas faire l'économie d'en parler très brièvement maintenant. Cette version du socialisme, c'est celle que défend le parti social-démocrate de son époque, le parti marxiste, qui estime que, concrètement, la société capitaliste dans laquelle on vit est certes injuste, insatisfaisante, etc., mais elle ne se transformera pas par la volonté des individus, mais elle se transformera parce qu'elle le doit. Parce qu'elle est imparfaite. Et c'est pour ça que les marxistes de l'époque de Landauer, et c'est quelque chose qui leur reproche vivement, ne pensent pas qu'il est nécessaire de changer quoi que ce soit. Il faut simplement continuer à agir au sein du système capitaliste, alors même qu'ils le dénoncent, parce qu'au bout d'un moment, à force d'approfondir cette option-là, eh bien, parvenu au sommet de ces contradictions, le système capitaliste se renversera en son contraire, en passant par une révolution, dictature du prolétariat, et puis société sans classe. Bon, cette idée-là, qui correspond à un marxisme très particulier, hein, celui de la Seconde Internationale qui est prônée en Allemagne à l'époque, Landauer va le dénoncer en pensant que non, on a besoin d'un idéal, et qu'il faut justement aller chercher autre chose pour pouvoir faire advenir des conditions d'un monde nouveau. Et donc, pour cela, effectivement, il va en passer par ce que je disais, l'utopie, c'est-à-dire la pensée d'un monde meilleur, différent. Sauf que, chez Landauer, cette utopie-là, elle prend pas une forme donnée, déterminée, concrète, au sens où il imaginerait, par exemple, pour prendre l'exemple d'utopie premier, celle de Thomas More, et Landauer ne va pas esquisser de manière détaillée les contours d'une société parfaite telle qu'il souhaiterait la voir advenir. Il ne pense pas que cette version-là soit ni réaliste, ni satisfaisante, puisqu'il ne s'estime pas comme un créateur génial qui pourrait dire aux masses comment changer le monde. Il faut que le changement vienne de ces personnes-là. Par contre, donner envie à tout un chacun de jouer l'utopie, c'est-à-dire de se faire le créateur d'alternatives, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel qu'en son temps, repensez au philistinisme, toute perspective d'ailleurs et d'autres est absolument écrasée par cette forme de conformisme social que même le mouvement social-démocrate ne parvient pas à dépasser, puisque justement, c'est une alternative qui ne propose aucun changement. La social-démocratie allemande, en tant que donc, parti marxiste de l'époque, ne fait que proposer aux ouvriers qui s'y trouvent de continuer à jouer leur rôle au sein du système capitaliste en attendant qu'à un moment donné, les conditions objectives soient réunies pour qu'alors ça se renverse. Ce qui, évidemment, n'est ni très enthousiasmant, ni, d'après Landauer, très sérieux, puisque ça ne... comme il le dit lui-même, voilà, on approfondit le capitalisme, on n'a pas son inverse, on a plus de capitalisme. Et il dit « jamais le socialisme ne fleurira », c'est un terme qui est dans le vocabulaire marxiste, « à partir de ce tas de sûrs qu'est le capitalisme ». Là, il critique l'idée même d'une forme de génération spontanée, comme si le socialisme pouvait naître à partir de rien. Non, si on veut qu'il naisse, il faut qu'on commence ici et maintenant à le créer. Alors, j'ai dit un mot-clé qui marque peut-être un tournant dans ma présentation qui peut m'orienter vers une fin. Ici et maintenant. Non, mais parce que va falloir que je m'arrête à un moment. Je ne dis pas
comme je l'ai dit, il y a beaucoup trop de choses à dire pour que je continue trop longuement. Ici et maintenant, c'est peut-être l'une des idées centrales pour comprendre le révolutionnaire qu'était Landauer. Vous aurez compris que c'était pas forcément un révolutionnaire partisan du coup de force, pour différentes raisons. D'une part, le coup de force, si ça implique la contrainte, ça ne s'accorde en rien avec son idée d'un projet anti-autoritaire. Hein. Anarchisme, chez lui, veut dire anti-autoritaire. L'usage de la contrainte est autorité. À partir de là, la chose semblerait contradictoire. Donc, déjà, pour Landauer, tous ces anarchistes revendiqués qui ont recours à la violence comme moyen d'action politique sont en réalité beaucoup plus archiques, et non pas anarchiques, qu'ils le pensent. C'est une idée qu'il expose dans un texte de 1901 qui s'appelle précisément « Pensée anarchique sur l'anarchisme », dans lequel il va expliquer pourquoi, selon lui, les auteurs d'attentats anarchistes, alors pareil dans les années 1890, dans toute l'Europe, il y a une vague très importante d'attentats menés par des personnes qui se présentent comme des anarchistes contre des personnalités politiques, pensez à l'assassinat de Sadi Carnot par exemple, ou des personnalités du capitalisme, avec en général à la clé un message plus ou moins effectivement anarchiste selon les formes, alors plus ou moins individualiste aussi, il y a différentes façons de le voir, mais ça c'est une autre question. Dans tous les cas, voilà, la violence anarchiste, on la connaît, j'ai envie de dire, on ne connaît que ça déjà à l'époque. C'est vraiment l'image principale, tant dans les médias que pour justifier une répression politique d'envergure, qui est mise en avant. Les anarchistes, c'est ça. Or, Landauer, lui, fait partie de ceux qui disent que non, anarchiste, ça n'implique en rien l'idée de violence, c'est juste... alors, il reprend ça une définition qu'on doit à Élisée Reclus, quelqu'un qui est peut-être dans tes rayonnages, en tout cas, qui a tout un tas de bonnes raisons d'y être. Élisée Reclus, géographe français anarchiste du tournant 19e-20e siècle, qui définit l'anarchisme comme cela. Il dit c'est l'ordre sans le pouvoir. Chez Reclus, c'est plus précisément la plus haute expression de l'ordre. Donc, dans tous les cas, voilà, on est bien loin ici de cette idée qu'on se fait en général du mot anarchisme comme une expression du chaos, de la désorganisation. Les anarchistes, en tant que mouvement politique de l'époque, pensent une organisation sociale, mais qui fasse l'économie de ce pouvoir autoritaire descendant, qui se comprennent donc finalement plutôt comme une forme d'auto-gestion, auto-organisation de manière horizontale. Et donc, pour s'organiser, pour ces anarchistes qui commettent des attentats contre les figures du pouvoir, finalement, Landauer nous dit ils se trompent de cible. D'une part, parce que ils ne se rendent pas compte que, finalement, si on coupe la tête du roi, elle repousse. Hein, le roi est mort, vive le roi. C'est ça, Tolstoï le disait, Landauer le cite avec cette expression précise. Le pouvoir monarchique, mais politique en général, est institutionnel, et ce ne sont pas des personnes, ce sont effectivement des institutions. Mais Landauer va même plus loin dans sa façon de critiquer le pouvoir. Il développe cette idée, justement, de manière la plus incisive, après avoir travaillé et traduit les textes de la Boétie. Donc, le discours de la servitude volontaire, hein, c'est l'un des textes fondateurs de la pensée politique moderne qui, à la fin du XVIe siècle, est rédigé par un jeune homme de 18 ans ou moins, je crois, entre 16 et 18 ans, ami très proche de Montaigne, qui, donc, texte qui nous parviendra après avoir eu une réception assez magistrale dans différents courants révolutionnaires, pour le coup, eux, plutôt musclés à travers l'Europe. Le texte de la Boétie, quelle en est l'idée? Donc là, je vous donne les mots de la Boétie, fin du XVIe siècle. La Boétie nous dit que pour renverser un tyran, il ne s'agit pas de le... Alors, il dit exactement, je ne demande pas que vous le secouez ni que vous l'ébranliez, mais simplement, ne le soutenez plus. Pourquoi? Parce que le pouvoir des adversaires, du tyran chez la Boétie, c'est nous qui lui donnons. Il le dit bien, le tyran n'est pas un surhomme, il n'a pas un pouvoir différent du nôtre. Et donc il pose la question d'ailleurs à la Boétie, d'où tient-il ces 1000 bras avec lesquels il vous oppresse, d'où tient-il ces 1000 yeux par lesquels il vous surveille, si ce n'est de vous? Partant, lui retirer
ces moyens que l'on lui donne, c'est la première étape pour lui retirer son pouvoir. Et en faisant ça, on fait deux choses finalement. On cesse de lui donner les moyens d'agir, et puis on se réapproprie ces moyens pour nous-mêmes. Et donc effectivement, Landauer pense le changement dans cette perspective en se disant que la transformation sociale ne doit pas se faire dans une perspective d'opposition avec le tyran. Parce que de toute façon, tant que le tyran a les moyens qu'on lui a donnés, il est plus fort que nous. Par contre, si nous sommes suffisamment nombreux à lui retirer ces forces-là, eh bien d'une part, ça donne les moyens de constituer autre chose, à côté, mais au sein de l'État éventuellement, et ça va aussi peu à peu l'affaiblir. Donc, pour ces raisons-là, Landauer pense que, j'en reviens à ces attentats anarchistes, hein, ceux qui vont attaquer l'État, en fait, non seulement sont dupes, parce qu'ils croient que l'État existe, alors qu'en fait, il n'est que la force qu'on lui donne, et puis ils le font d'ailleurs exister, ce faisant. Je vais vous donner, je pense, la citation la plus connue de Landauer qui exprime cette idée-là assez précise. C'est un texte de 1910 dans lequel il donne sa définition de l'État. Landauer écrit « L'État n'est pas une chose que l'on pourrait briser comme on renverse une table ou comme on casse un carreau de fenêtre. Ce sont de vains faiseurs de mots et des adorateurs des mots ceux qui pensent cela. L'État est une relation. C'est un rapport entre nous et on le détruit en se rapportant différemment les uns aux autres. » L'idée ici est bien que l'État, finalement, c'est ce qu'il dit un peu plus loin dans le texte, l'État c'est nous. Alors attention, l'État c'est nous, c'est pas une fierté de dire ça. Il ne dit pas, c'est pas eux, c'est nous, hein, c'est pas le peuple qui serait véritablement État, mais c'est de dire en fait s'il y a un État, c'est parce que nous le faisons exister. Et donc, il ne s'agit pas du coup de déplorer qu'il y ait au-dessus de nous, contre nous, des dirigeants qui nous aliènent, nous oppriment, etc. Mais bien d'interroger ce qui, en nous, fait État et fait exister l'État. Puisque, selon Landauer, nous sommes, par nos manières de nous rapporter les uns aux autres, les vecteurs d'une société qui nécessite l'existence d'un État, qui nécessite également l'existence du capitalisme. Et donc c'est là où peut-être on peut aussi imaginer quelques pistes de changement qui encore aujourd'hui ont un intérêt. Tout le discours de critique du capitalisme qui s'est largement étoffé depuis son époque doit forcément prendre au sérieux la question des alternatives au capitalisme, de savoir comment, d'une part, on peut avoir autre chose. Pas seulement parce que pour répondre à ceux qui diraient « mais alors s'il n'y a plus la monnaie, s'il n'y a plus le capital, qu'est-ce que vous allez faire ?» mais aussi parce que ce sont ces autres façons de fonctionner qui vont à un moment donné rendre peut-être superflues ces structures existantes. C'est-à-dire donc finalement augmenter la quantité de rapports non marchands entre les personnes, c'est déjà un pas vers une certaine sortie du capitalisme à petite échelle. Chercher à établir des rapports non autoritaire ou moins autoritaire avec nos proches, à se rapporter différemment les uns aux autres, ceci au travail, dans la famille, dans les rapports amicaux, c'est déjà une façon aussi, justement, de rendre superflu le recours à une forme plus étatisée, c'est-à-dire plus archique, d'organisation de la société. Ça va ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai dit ici et maintenant. Donc là, ici et maintenant, il peut se passer beaucoup de choses. On peut parler jusqu'à ce qu'il fasse nuit, mais que si par on, c'est jeu, ça ne va pas être forcément intéressant beaucoup plus longtemps. Est-ce que vous souhaitez que je m'achemine vers une conclusion, parce que j'en ferai quand même une si on s'arrête là, petite, mais une conclusion quand même, ou est-ce que vous souhaitez que je continue un petit peu sur les quelques éléments que je pourrais avoir en tête, sachant que je me ferai un plaisir de rebondir sur l'une ou l'autre de vos suggestions si je m'arrête dans un instant. Ouais. Non, bah, c'était juste pour prendre la température. Donc, si pour les questions, je fais un semblant de conclusion, et puis comme ça, après, on en vient à un échange un peu plus ouvert. Ok. Allons-y. Bon,
dans la conclusion, je vais faire comme dans une mauvaise copie de Terminal, je vais dire tout ce que j'ai pas eu le temps de dire. Mais pas pour en parler, juste pour donner des idées. Landauer aimait beaucoup le patinage artistique. Apparemment, c'est ses filles qui racontent ça dans une lettre. Lorsque les lacs étaient gelés, ça lui plaisait beaucoup d'aller enfiler des patins pour faire voilà, quelques virevoltes sur la glace. Je ne sais pas si c'était l'élément que vous attendiez forcément. Je vais aussi vous lire un petit texte. Je lis plutôt au début en général, mais pour que vous voyez un petit peu le personnage, vous ne savez même pas à quoi il ressemble. J'ai cette vision un peu pop de qui il était, après une affiche d'un colloque qu'on a organisé il y a quelques années. Je vais plutôt vous dire en quelques mots comment il avait été perçu par le premier journaliste français qui a parlé de Landauer. C'était justement lors d'un de ces congrès socialistes dont je parlais précédemment, hein, en 1898 à Londres. Achille Steens de la Revue Blanche rend compte des échanges et il décrit Landauer en ces termes-là. Le chevalier teutonique de l'anarchie. Un jeune parmi toutes les vieilles barbes de cette agitation prolétarienne qui cause tant de mauvaises nuits à Guillaume II, l'empereur. Une tête de Christ qu'ensoleille l'éclat des yeux d'un azur limpide. Une barbe noire, rare, en fer à cheval. Une chevelure éparse qui flotte comme une vague au geste de la tête. Et grand, diaphane, musculeux, exubérant, à la passion désintéressée de son idée, le culte de l'humaine douleur et sera le martyr, s'il lui faut cet holocauste, d'une cause qui a déjà l'offrande de sa vie. Alors, vous voyez déjà que l'aura que pouvait dégager cet orateur, et pas seulement penseur et écrivain, auprès des personnes qu'il a vues, c'est peut-être ce qui lui a valu aussi justement d'avoir, je pense, en son temps, un tel retentissement auprès des personnes auxquelles il parlait. C'est ce qu'on constatera aussi 2 ans plus tard, en 1900, quand, sortant d'un deuxième séjour en prison pour activité subversive, là, il s'était moqué d'un commissaire de police. Il participera à la fondation de cette nouvelle communauté où il rencontrera Martin Buber, le poète anarchiste Erich Muzam, et où, prononçant le texte inaugural, il parlera encore devant un parterre nombreux et laissera une impression assez vive chez les personnes qui étaient présentes, ce qu'on constate aussi dans les comptes rendus de l'époque. Donc voilà, Landauer, c'était un penseur, un orateur et un activiste. C'est-à-dire qu'il y a eu toute la partie de sa vie entre la Révolution allemande où il meurt et les années 1898 dont je vous parlais, où il fait des théâtres populaires, etc., où il va créer aussi de petites communes autogérées, organisées entre elles sur un plan fédératif, qui constituerait vraiment, selon lui, la base de cette société socialiste à laquelle il aspire, qui serait justement débarrassée de ces rapports plus autoritaires de la société connue de son époque. Ça, c'est ce qu'il développe dans son texte « L'appel au socialisme », et qui sert vraiment, pour le coup, de texte pseudo-programmatique à ce projet-là, qui existera pendant un certain nombre d'années, jusqu'à la Première Guerre mondiale, à un moment où, effectivement, l'Alliance socialiste, le nom qu'il donne à cette fédération-là, a commencé un petit peu à prendre place. Bon, cela étant dit, Landauer ne s'est pas imposé. Peut-être est-ce cohérent, peut-être est-ce mieux. En tout cas, sa pensée a été éclipsé par la suite, par sa défaite et par son assassinat suite à la guerre, par une histoire aussi du XXe siècle qui n'a pas toujours été au diapason des idées libertaires. Mais il y a, je pense, dans sa pensée, encore aujourd'hui, hein, comme vous le disiez, des questions et des voix qui doivent, à mon avis, nous intéresser sur des aspects aussi bien d'organisation, comme je l'évoquais, mais aussi sur des façons de poser les questions, des manières de questionner notre rapport aux autres et au monde. Et je pense que par-delà tout ça, il y a dans la pensée de Landauer, et ça je serais ravi d'en rediscuter avec vous, un potentiel pour comprendre aujourd'hui certains éléments des luttes écologistes par sa critique de la technique, les luttes féministes par une critique qu'il a pu avoir non seulement des rapports d'autorité au sein des structures humaines, même les plus petites, mais aussi par une critique du langage qui lui faisait accorder une grande importance au pouvoir autoritaire et éventuellement aliénant que pouvaient avoir les mots. Donc pour tous ces combats-là, pour toutes ces luttes que l'on essaie d'avoir au Havre et ailleurs, on aurait, à mon avis, aujourd'hui encore intérêt à lire Landauer.
Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté et je me fais un plaisir d'écouter vos questions dans un instant. Bien. Alors, est-ce qu'il marche ? Oui, il marche. Il marche très bien. Super. Première question, est-ce que quelqu'un a une question ? S'il vous plaît. Eh ben, vas-y. Alors, il y a d'abord merci beaucoup pour cet exposé, cette remise en contexte aussi de ce penseur et puis le portrait que tu as brossé. Moi, ma question, enfin, il y a multiples questions, mais il y en a une qui me titille tout particulièrement. On sait que les penseurs de philosophie politique et de l'État souvent partent d'une sorte d'anthropologie, qu'on va dire. Assez pessimiste de l'être humain. L'État est nécessaire parce que sinon la violence se déchaîne dans la société. On a cette thèse chez les libéraux qui est assez classique. Voilà. Donc ça va avec une anthropologie. Puis alors je me dis quel type d'anthropologie il y a chez Gustav Landauer, sachant que par exemple chez Proudhon la réponse habituellement aux classiques de la philosophie politique étatique, c'est de dire qu'il y a une sociabilité naturelle. Cette sociabilité naturelle, elle est souvent étouffée précisément parce que les États infantilisent les individus. Il faudrait simplement que cette sociabilité naturelle puisse se développer. Enfin, si on comprend un petit peu les choses chez Proudhon, je me trompe peut-être, mais tu rectifieras le cas échéant. Chez Gustav Landauer, c'est une suggestion que je te faisais la dernière fois que je t'ai vu en parler de ce penseur. Chez Gustav Landauer, il y a la notion d'esprit qui est assez étonnante. On se dit, est-ce que cet esprit, c'est une sociabilité naturelle ? Alors, on a tendance à se dire non, parce qu'il faut qu'il se développe, et ça a l'air d'être quelque chose de potentiellement créatif. Donc voilà, donc, alors que chez Proudhon, on a l'impression qu'il y a une sorte d'anthropologie qui est là, il suffit de développer, et puis, je vais un peu vite, mais il y a cette idée-là. Donc ma première question apporte là-dessus. Être anarchiste et socialiste donc pour Gustav Landauer, est-ce que ça signifie qu'il faut que l'esprit se développe, sachant que ton premier constat, c'est de constater plutôt de dire qu'il y a des philistins et qu'au fond, il est plutôt entouré de gens un peu médiocres. Est-ce qu'avec des gens médiocres, on fait vraiment une bonne communauté ? Oui. Question essentielle, parce que ça permet effectivement de revenir sur l'esprit, qui est l'une des notions fondamentales chez Landauer. Je me suis un peu amusé à compter les mots chez lui. Le mot Geist, esprit, c'est le cinquième nom commun le plus employé de son lexique. Ce qui est, c'est un mot qui, à l'époque, en Allemagne, est très présent, dans tous les discours. Il y a Hugo Ball, l'écrivain dadaïste, qui dira, mais à cette époque-là, on avait du Geist partout, on nous vendait des bretelles Geist, on mangeait Geist, on se couchait Geist. Mais pour autant, effectivement, chez Landauer, cette notion-là, qui devient concept, est très particulière. Alors, je reprends peut-être du début. C'est quoi la conception de l'être humain qu'on a pour pouvoir penser la société de cette manière-là ? Puisque effectivement, comme tu le dis, chez beaucoup de penseurs libéraux, l'État est là pour finalement réguler des passions humaines qui seraient, dans leur expression individualiste, plus destructrices qu'autre chose. Donc le contrat social vient finalement apporter de la pacification. Or, Landauer récuse cette option-là et ne cherche pas à faire une société où l'État viendrait se faire ce rôle policier. Donc, est-ce que ça veut dire effectivement qu'il se prononce en faveur du chaos, retour à l'état de nature présumé ? Non, alors, et pour plusieurs raisons. Tu as parlé de Proudhon. Je vais parler de Rousseau, quant à moi. Mais l'idée est à peu près la même. Les deux penseurs, enfin, pour cette question-là, les deux penseurs, Proudhon et Rousseau, sont tenus en très haute estime par Landauer, lequel voit chez Proudhon le plus grand des socialistes, même si, alors, je le dis quand même en passant, si des personnes sont au courant de ces débats qu'on connaît bien dans l'anarchisme, même si la misogynie avérée de Proudhon est elle-même très clairement dénoncée par Landauer. Mais par contre, en tant que socialiste, il reconnaît beaucoup de choses à sa conception du monde. Rousseau, il dirait que c'est aussi le plus grand des Suisses, qui a su faire la synthèse entre l'esprit de rationalité et la passion aussi. Mais bref, c'est chez ces deux
personne-là, qu'est-ce qu'on trouve l'idée, en gros, pour commencer, que au fond, l'humain est plutôt bon, et effectivement que c'est dans une certaine, que c'est la société qui aura perverti par l'organisation particulière qui s'est mise en place, qui aura perverti l'humain en apportant d'autres tendances plus égoïstes, plus antisociales, finalement, paradoxalement. Alors, cela dit, ça ne s'exprime pas exactement de cette manière-là chez Landauer, et il y a une différence qu'il est important de pointer du doigt. Plutôt que de parler de Proudhon, je vais parler de Kropotkin, et non pas Rousseau. Kropotkin, c'est un autre des... Si vous voulez, je vais prendre à dessein une expression étonnante, le panthéon anarchiste comprend quelques théoriciens qui sont fortement reconnus. Il y a donc Proudhon, Bakounine, coucou, Stirner, et donc Landauer n'en fait pas partie, mais parmi eux, on a donc Kropotkin, qui a été appelé quelquefois le prince anarchiste du fait de ses origines nobiliaires. Kropotkin va être traduit, comme tous les autres, par Landauer, vers l'allemand. Il le connaît très bien, il le côtoie un petit peu aussi en Angleterre. Et qu'est-ce qu'il retient de Kropotkin ? L'idée qu'il y a chez l'humain, ce que donc l'anarchiste russe appelle un instinct d'entraide. Alors ça, pour ceux qui connaissent un petit peu, Kropotkin est l'auteur d'un livre qui s'appelle l'entraide... un autre principe de l'évolution. C'est pas exactement ça. Cet autre principe de l'évolution, c'est une réponse aux théories du darwinisme social qui affirme que l'évolution est dictée par l'instinct égoïste chez l'humain, qui est une idée qu'on trouve notamment chez Huxley, le grand-père de l'auteur du Meilleur des Mondes, qui défend cette idée-là à la suite d'une certaine lecture de Darwin. Et donc, en réponse à ça, Kropotkin dit non, il y a certes un instinct égoïste chez l'humain, mais il y a aussi un instinct d'entraide, et pas que chez l'humain, dans toutes les espèces vivantes, qui fait que au sein d'une même espèce, on va s'entraider. Sauf que cet instinct d'entraide, il va être souvent écrasé par d'autres tendances, comme tu disais. Pour Landauer, il y a quelque chose qui ressemble à ça, à l'instinct d'entraide, mais qui n'est pas cela. C'est ce qu'il appelle l'esprit. Et quelle est la différence principale? Si c'est aussi un principe premier, ancré très en profondeur, ça reste quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui est culturel. L'esprit de Landauer est... Alors, j'ai beaucoup tâtonné pour essayer de trouver l'expression la plus précise à lui donner. Je me disais que c'était une forme de mémoire collective de ces formes de ces moments de la société où justement il y avait appartenance, où il y avait un sentiment d'appartenance, où il y avait du collectif qui existait, et que dans les moments de plus grande individualité, cet esprit-là serait justement enfoui sous des strates et des strates d'habitude et de séparation. Bon, en réalité, je pense que l'image que j'ai la plus parlante, c'est de se dire que c'est un ressort. On a tous en nous une espèce de ressort qui nous pousse à aller vers les autres, qui est une envie, un désir, une volonté que la société peut ou non encourager. Et la société Landauer, elle répond déjà au mot d'ordre de Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Et le problème, c'est que plus on le dit, plus on y croit, et moins on va faire justement de projets dits alternatifs, et que c'est pour ça que Landauer, il est si primordial de commencer ici et maintenant à faire d'autres choses, c'est parce que ça permet justement de montrer qu'on peut se rassembler autour de nos envies, qu'on peut créer d'autres formes de fonctionnement que celles qui existent. Donc, il y a bien en chacun, chacune, un principe de sociabilité, hein, esprit de sociabilité, mais la société telle qu'elle fonctionne aura tendance plutôt à l'étouffer, et il faut donc le réveiller par l'expérimentation comme par l'exemple aussi d'autres communautés. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Si vous avez le micro, forcément. Excusez-moi. Ce n'est pas possible. J'ai voulu m'affranchir du micro, ce qui est une forme d'autonomie qu'il faut. Vous m'entendez bien là tous, voilà. En fait, j'ai une question parce que dans tout ce que vous avez dit, il y a énormément de choses qui m'ont intéressé, mais en particulier une, et j'aimerais que vous m'en donniez et m'en disiez un tout petit peu plus, mais rapidement, bien sûr. Il s'agit, vous avez dit à un moment, Landauer a créé, ça marche mieux là, voilà. Pardon, je ne suis pas du tout un habitué. Et donc,
il faut que je reprenne tout. Non, c'est bon. Ah bon, c'est parfait. Ouf. Pour vous. Et donc, vous avez dit, il a créé le mouvement, enfin, participé au mouvement Befreiung et coopérative des consommateurs. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous pourriez me dire un tout petit peu comment ça fonctionnait? C'est parce que c'est un sujet qui est très central aujourd'hui, cette réinvention de la consommation, pour ce que j'en ai compris. Alors, je vais commencer par un teaser. Le texte en question, qui était pendant longtemps indisponible, on trouvait qu'un scan en alphabet gothique qui traînait ici ou là sur Internet. Là, il y a une traduction qui est en train d'être achevée, donc il sera bientôt lisible. C'est en gros une trentaine de pages de programme dans lequel Landauer explique en quoi, contrairement à l'idée que s'en font des révolutionnaires un peu plus politiques, la révolution commence par la consommation. Alors je m'explique. En fait, il est ici dans une lecture assez rudimentaire en fait, qui consiste à se dire tant que les travailleurs s'opposent dans leur lutte en tant que producteurs, c'est-à-dire par le moyen d'action privilégié qu'ils ont, la grève, c'est agir en tant que producteur puisque on cesse de produire. Leur combat est voué à un échec à plus ou moins long terme, certain. Parce que dans cette lutte-là, finalement, leurs forces sont moindres que celles du patron, qui, quant à lui, a des cartels plus puissants que les leurs, a pu mettre un petit peu de côté. Et donc, finalement, cesser de travailler, si la grève ne signifie que cesser de travailler pour certes mettre à un moment donné le patron dans l'embarras, ça va marcher un temps, ça permettra quelques améliorations à la marge, mais en revanche, ça ne permettra pas un renversement radical de la situation. Pour une raison simple, c'est qu'effectivement, le producteur qui se met en grève est aussi le consommateur qui a besoin d'acheter. Et donc, en plus, après, il y a toute une réflexion qui n'est pas exactement de lui, mais qui reprend à sa sauce sur l'équilibrage des prix, qui fait qu'en fait, de toute façon, s'il veut des prix plus bas en tant que consommateur, il veut que gagner plus en tant que producteur, ce qui irait avec des prix plus hauts. Alors là-dessus, sa vision du capitalisme est assez, encore une fois, simpliste. Il y a des idées de notions de marge d'actionnaire et autres qui pourraient aussi entrer en compte dans l'équation. Mais il y a une forme de bon sens quand même qui consiste à dire que la consommation nous rend finalement tributaires du système et qu'il faut donc parvenir à s'organiser en dehors de ce système, mais encore une fois, en dehors, mais au sein du système. Il n'y a pas du tout l'idée de s'enfuir pour aller créer ça sur une île déserte qui n'existe pas, de toute façon. Il faut trouver les moyens, ici et maintenant, dans les conditions données, de créer cela. Donc c'est par là que ça passe. Et c'est là où, après, il a plusieurs expressions que je trouve intéressantes. Il dit, pour aujourd'hui, on nous dit que c'est bien inoffensif, ces coopératives de consommateurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans les textes des socialistes de l'époque, les socialistes marxistes, on voit le mépris qui est affiché pour ces coopératives de consommateurs, qui sont à la fois vues comme tout à fait inoffensives, et puis c'est à peine du politique, ça ne touche pas aux enjeux véritables. Mais Landauer va répondre à ça, qu'en fait, là où la question qui est souvent posée aux révolutionnaires, on leur demande parfois, c'est quoi le chemin? C'est la réforme ou la révolution? Déjà à l'époque, hein, c'est réforme ou révolution? Et il dit, mais non, la vraie question, c'est pas ça, c'est réforme ou parole? Parce que, et c'est un révolutionnaire qui le dit, parce que finalement, la révolution chez ceux qui disent que la coopérative de consommation, c'est rien, la révolution pour eux, ce sont des mots, mais qui n'ont rien de concret jusqu'au grand soir. Sauf que le grand soir, si on le prépare pas, il n'arrivera pas tout seul. C'est ça le postulat. Donc, effectivement, c'est par cette réforme, à petite échelle, que peut commencer quelque chose de véritablement révolutionnaire. Je ne sais pas si ça répond dans les grandes lignes. C'est une question très pratique. Quelle est la place de Landauer aujourd'hui dans la pensée anarchiste? Et du coup, quel est son héritage? Et du coup, quels sont ses héritiers aujourd'hui? Et comment elle s'adapte à notre société? Parce que la société de Landauer, c'est pas la nôtre. Donc, comment on peut penser justement sa pensée dans notre monde aujourd'hui? C'est large. Alors aujourd'hui, tu parles du mouvement anarchiste aujourd'hui. Il faudrait déjà commencer par réussir à faire un tableau du mouvement anarchiste aujourd'hui.
Je vais évacuer tout de suite les querelles d'étiquette parce que voilà, il y a des débats pour savoir si les anarchistes sont libertaires, les libertaires sont anarchistes, et si les anti-autoritaires sont anarchistes, et certains voilà qui honnissent l'une ou l'autre étiquette. Pour ma part, j'hésiterai pas beaucoup, le temps de cette réponse au moins, à mettre ces différentes sensibilités ensemble, même s'il y a quelques nuances, notamment stratégiques ou de conception du monde, qui se rejoignent. Il faut bien voir aussi que de toute façon, la tâche là, de faire un tableau d'anarchisme aujourd'hui est de toute façon vouée à l'échec, à partir du moment où on parle avec l'anarchisme d'une manière de voir le monde, une façon de penser qui, dans son essence même, ne se revendique pas d'autorité intellectuelle. J'ai évoqué tout à l'heure plusieurs figures intellectuelles qui ont compté dans l'anarchisme un peu plus que d'autres, parce qu'elles ont été beaucoup lues, parce qu'elles ont écrit aussi et qu'elles ont eu à un moment donné les conditions matérielles qui leur permettaient d'écrire, quoique Bakounine n'ait jamais fini un bouquin parce qu'il était toujours à cheval entre un bouquin et une lutte, et c'est le cas pour beaucoup d'autres. Mais si tu veux, pour rester autour de cette sensibilité anarchiste et anti-autoritaire aujourd'hui, je pense que l'héritage de Landauer, on le trouve donc sur un plan pratique. Les gens qui, sans avoir forcément lu Landauer, quelquefois si, mais sans forcément l'avoir lu, sont dans sa veine, dans les ZAD, où se construit effectivement au sein du système des espaces où s'expérimentent d'autres façons d'habiter, de vivre, et qui sont à la fois une construction et une lutte contre. Parce que c'est pas parce que Landauer prône un socialisme, je vais l'appeler rapidement positif, de construction, qu'il néglige le fait qu'à un moment donné, il y aura opposition. C'est-à-dire que la Boétie dit « ne soutenez plus le tyran et il tombera de lui-même ». Landauer ajoute « il y aura quand même une pichenette à donner ». Et aussi parce que le tyran ne va pas cesser faire. Donc ça va impliquer un rapport de force qui de toute façon sera imposé. Mais ce qui est important, c'est que ça n'advient qu'au bout d'un long processus qui commence par construire une alternative. Donc les ZAD, je disais, il y a dans les aussi dans alors si on pense plutôt à des bouquins, il y en a un dont on parlait encore pas mal il y a quelques temps, qui est ça remonte un petit peu déjà, le livre s'appelle Zone d'autonomie temporaire, TAS, de Hakim Bey, qui est le pseudo de Peter Lambert Wilson. Je crois, qui est l'idée que justement on ne cherche pas à créer des structures sociales qui soient justes pour la nuit des temps, mais que on cherche en revanche à expérimenter des formes de coexistence qui soient appropriées au moment, aux envies du moment, partant du principe que de toute façon pour différentes raisons internes et externes, que je vais développer dans un instant, les institutions que l'on crée maintenant seront inappropriées dans un futur proche. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer la société parfaite pour demain? Ça, c'est une idée qu'on peut développer à partir du livre La Révolution de Landauer, qu'il écrit, donc qui publie en 1907-1908. Dedans, il développe, donc vous disiez, une conception de l'histoire qui se base sur le cycle des révolutions. Il explique au début, d'abord c'était une blague quand il raconte ça, mais en fait il se prendra tout à fait au jeu. Il dit voilà, notre histoire va de révolution en période de stabilité en révolution en période de stabilité, et pour désigner cela, il choisit deux termes, dont un qu'il élabore à partir de l'autre, utopie et topie. Bon, l'utopie, on voit bien ce que c'est la création d'un idéal, d'une société parfaite qui serait débarrassée des imperfections de l'ancienne, autour de laquelle un certain nombre de personnes vont à un moment donné se retrouver, et s'il crée une masse critique, eh bien, ils parviendront à réaliser l'utopie pour se débarrasser de la société ancienne. Donc, société ancienne, vous aurez compris, qui était la topie, hein, la société telle qu'elle est. Et donc, une fois que l'utopie est réalisée, on parvient à quoi ? À la topie, à nouveau, puisque l'utopie ne se réalise pas.
On ne réalise pas d'utopie, on ne réalise que des topies, parce que bah, c'est un topos, c'est le lieu, c'est ce qui est là, vraiment. L'utopie, c'est l'idéal. Et donc l'idéal nous aide à créer une nouvelle société. Et certes, à l'instant où on la réalise, elle est peut-être débarrassée d'un certain nombre de travers de la précédente, mais pas de tous, parce que de toute façon, si même l'idéal était parfait, ce dont on peut douter, bah, de toute façon, dans la réalisation, il y a une dégradation de l'idée, parce qu'on va simplement s'adapter aux circonstances, qu'on n'aura pas exactement les moyens de faire tout ce qu'on avait imaginé de parfait en théorie. Mais Landauer nous dit, et ça c'est essentiel pour comprendre aussi l'utopiste qu'il était, il nous dit de toute façon, la réalité est plus belle que l'idéal parce qu'elle est, simplement. Et donc voilà, c'est, même s'il croit très fort en la nécessité d'avoir de belles utopies, d'en créer tout le temps et de les réaliser par des révolutions, mais révolutions qui sont aussi bien révolutions internes que des révolutions dans le couple, que des révolutions dans la famille, que des révolutions sociales d'envergure et politiques, a fortiori, toutes ces échelles-là sont valables. Il faut néanmoins être conscient du fait que ce qu'on crée, ce sont des utopies et que l'utopie est donc imparfaite sur le plan idéal, mais qu'elle le sera de plus en plus parce que sa vivacité et son adéquation tient d'une part à l'énergie qu'on met dans sa création. Or, une fois qu'elle est créée, l'énergie, on la met ailleurs. Et ça tient aussi à des circonstances extérieures qui évoluent. Et donc, à un moment donné, effectivement, le monde qui nous entoure n'est plus le même. Donc, la société, donc finalement, la topie qu'on a créée à un moment donné, bah, elle sera plus en adéquation avec les besoins du moment. Et donc là, il faudra une nouvelle utopie, une nouvelle révolution pour créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce que Landauer appelle régénération, puisqu'il s'agit de régénérer régulièrement, par la révolution, les conditions de notre existence sociale. Et donc, dans l'appel au socialisme, il écrit cela, hein, notre société, la société que nous voulons créer, doit faire de la révolution l'élément constitutif de son fonctionnement. C'est parce qu'il ne s'agit pas d'établir un règne de 1000 ans d'une société parfaite. Donc ça, voilà, pour ça, pour les TAS, hein, les zones d'autonomie temporaire. Et ensuite, bah, quel héritage, quelle lutte. Je pense que les luttes féministes et queer ont quelque chose aussi à aller chercher chez Landauer sur son rapport au langage. Ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses que je trouve assez, assez intéressantes. Il va chercher chez des auteurs comme Nietzsche, mais aussi chez le philosophe anarchiste, enfin, ou proto-anarchiste Stirner, dont je parlais tout à l'heure, du milieu du 19e siècle, une forme de critique du langage qui consiste à dire que les étiquettes qu'on pose sur le monde ne sont pas forcément l'expression la plus adaptée à la réalité. Je pense que dans cette réflexion-là, à laquelle Landauer va donner un tour politique pour essayer justement de voir en quoi nous sommes tributaires des noms qu'on nous donne, des appellations qu'on pose sur nous. Et chez Stirner, déjà, ça voulait dire, voilà, quand on m'appelle citoyen, quand on m'appelle mari, quand on m'appelle prof, ces noms-là, que désignent-ils vraiment? Est-ce qu'ils touchent la singularité de l'être? Chez Landauer, il y a une vraie sensibilité aussi à ce poids autoritaire des mots. Ça, c'est une expression qu'on trouve chez Nietzsche et qui le fait sienne, qui nous pose dans un certain cadre de pensée. J'ai le sentiment qu'il y a là aussi un dialogue possible avec des mouvements qui prennent au sérieux le poids des étiquettes et qui cherchent justement à se débattre avec le langage, partant du principe qu'il est au fondement de notre vision du monde. Il y en aurait d'autres, écologistes, etc., mais ça donne quelques pistes. Merci. Moi, je voudrais bien que tu complètes le portrait, Anatole, avec, on va dire, le versant a priori non politique, mais comme tu l'as montré, le quotidien est politique, de la vie affective et amoureuse de Landauer. Et amicale, enfin voilà, affective. Et dans les affects, puisque tu as quand même parlé de désir, de l'envie de faire ensemble, de créer un espace pour la régénération des désirs contre un ennui mortifère. Est-ce que, par exemple, il y a des pistes aussi dans l'éducation, parce que tu parlais aussi de la famille, sur des affects peut-être à nourrir, stimuler dans les esprits des enfants. Voilà. C'est pas trop large. Alors, je vais commencer large, justement.
Je disais la structure fédérative que crée Landauer à partir de 1908 et qui existera jusqu'à la Première Guerre mondiale, qu'il appelle Socialistischer Bund, l'Alliance socialiste. C'est une organisation de petites communes autogérées qui interagissent librement entre elles pour les affaires communes et au sein desquelles chacun est libre pour les affaires qui le concernent. En gros, c'est ça l'idée. Tu penses qu'on est peut-être un petit peu loin, mais j'arrive justement à l'échelle des rapports affectifs, en particulier dans les rapports les plus immédiats, amoureux, familiaux, etc. Le mot Bund, alliance, que j'ai traduit par alliance, qu'on pourrait traduire par fédération, ligue, etc. L'avantage du mot alliance, la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est précisément parce que, d'une part, on retrouve le radical du lien. Bund, binden, band, c'est tout ça, c'est un lien en allemand. Et c'est surtout que ça me permet de montrer en quoi, chez Landauer, la notion de Bund, d'alliance, désigne la forme privilégiée qu'il veut donner à la communauté à toute échelle. C'est-à-dire que le Bund, c'est la forme qu'il donnera aussi bien à la fédération de petites communes autogérées qu'à la relation qui l'unit avec Martin Buber. Et qu'au type de fonctionnement qu'il cherche à voir advenir dans sa famille. L'alliance, c'est une façon de se rapporter à ceux qui nous environnent, justement, selon d'autres rapports. Alors, quel rapport? On va voir chez lui quelle consistance ça avait pris, même s'il ne se voulait pas forcément exemplaire, au sens où il aurait fait de sa vie la vitrine de ses idées, mais on peut quand même trouver dans sa vie des éléments de cela. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, les relations, comment on investit les relations, c'est au cœur de ses préoccupations. Et oui, donc le quotidien est politique, ça c'est une évidence chez lui. D'ailleurs, on peut le rattacher en ce sens à un courant politique, antipolitique. Lui, enfin, ça peut à lui-même l'étiquette antipolitique à un moment donné, consiste à justement, enfin, un mouvement qui s'appelait le mouvement de Lebensreform en Allemagne, de réforme de la vie, qui cherchait justement à transformer le monde, non pas en prenant les institutions, mais en transformant les pratiques quotidiennes. Landauer, on peut le rattacher à ce mouvement-là, tout en ajoutant une dimension quand même plus politique, puisque c'était un révolutionnaire qui ne rechignait pas non plus à l'idée de changer les institutions à un moment, mais il n'empêche qu'il était convaincu qu'il fallait que, à petite échelle, ça se passe dans nos rapports les uns avec les autres. Et donc, lui, concrètement, son histoire familiale affective, après on verra s'il y a des clés d'analyse à en tirer, mais c'est quoi? Il a été marié deux fois, il a divorcé, il a eu des enfants de ces deux mariages, il était, semble-t-il, des témoignages qu'on a de ses filles, de ses proches, un père qui était particulièrement investi dans l'éducation de ses enfants et la vie familiale. C'est pas directement lié à ça, mais ça m'y fait penser. Dans les différents projets de communauté auxquels il a participé, il en a d'abord quelquefois eu affaire à des révolutionnaires des mots, qui avaient beaucoup d'idées à dégoiser sur le monde de demain, mais qui étaient assez peu habiles pour le faire advenir. Et je pense qu'il faisait partie de ceux qui étaient bien convaincus que pour transformer le monde, il fallait des idées, mais il fallait aussi faire pousser des patates. Et il a donc essayé de faire des communautés qui ne soient pas que intellectuelles ou, à l'inverse, que ouvrières, mais aussi agricoles, enfin, qui prenaient en compte tous ces éléments-là. Et puis, je le dis parce que c'est son ami Erich Mühsam qui dira ça en faisant un témoignage sur l'une des communautés à laquelle ils avaient participé ensemble, que concrètement, Landauer, c'était à peu près le seul qu'on voyait faire la vaisselle à la fin. Donc, ça montre qu'il y a bien. Enfin, ça peut paraître très anecdotique, mais je pense que la façon qu'a Mühsam de mettre en avant, ça signifie bien qu'il y a une prise en compte des conditions effectives d'organisation. Dans la famille Landauer, donc maintenant, je disais, implication dans l'éducation de ses filles qui seront pour partie éduquées par leurs parents. La première femme de Landauer était ouvrière du textile, justement. La deuxième est poétesse traductrice, fille d'un rabbin. Elle sensibilisera aussi davantage à la culture juive qu'il avait jusqu'ici plutôt ignorée. Ils traduiront ensemble des textes d'Oscar Wilde, de Rabindranath Tagore. Elle est particulièrement connue encore aujourd'hui pour avoir traduit le livret de Salomé,
donc pour la version scénique. Et donc elle s'appelle Edwige Lachmann, on peut dire son nom tout de même. Et les enfants Landauer, les filles Landauer et Lachmann, donc grandissent dans une famille où, semble-t-il, on discute beaucoup. Alors, les témoignages sont peu nombreux, hein, c'est pas des choses qui sont autant documentées que les idées, mais on discute beaucoup. La relation amoureuse entre Lachmann et Landauer, la deuxième épouse, et lui-même, a été présentée comme l'une des plus belles histoires d'amour du fait des lettres qu'ils se sont envoyées, de deux grandes plumes qui se sont rencontrées autour d'un amour intellectuel et politique. Elle l'a aussi accompagné dans ses projets de construction politique. Beaucoup plus en retrait pour ce qu'on en voit, pour ce qui en transparaît, mais en tout cas, elle était là. Et ça n'empêche que Landauer a eu aussi d'autres amours, y compris pendant son mariage, choses qui ont pu faire quelquefois un petit peu tiquer certains qui s'interrogeaient sur son rapport au mariage alors qu'il avait, disait-on, des maîtresses, une maîtresse, une amante, on dira, parce que ça fait un peu moins bourgeois, qui a contribué aussi, qui était une grande socialiste suisse, qui s'appelle Margaret Fassardegger, avec laquelle il va justement co-construire cette alliance socialiste. Pour Landauer, le lien de mariage et eux en allemand était important. Et pourtant, c'est ce qui lui a été reproché par certains qui criaient à l'inconsistance, à l'incohérence. Il a eu des amours extra-conjugales. Et ce que je trouve intéressant, c'est dans les textes où il en rend compte, il va expliquer justement quelle est sa conception du mariage. En fait, selon lui, ce qui importe, c'est d'avoir quelque chose comme un mariage, c'est-à-dire un lien particulier, mais qui peut être sanctifié par l'État, qui peut être pluriel, qui peut être à durée déterminée, enfin en tout cas, peut-être pas déterminé à l'avance, mais en tout cas, qui n'est pas signé pour la nuit des temps. Et donc, je trouve assez intéressant de voir qu'au final, ce qui compte, c'est créer des liens. C'est avoir des rapports sincères, forts, puissants, au sein desquels se joue quelque chose, mais que par contre les modalités de ce rapport-là ne soient pas préétablies. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de doctrinaire à ce niveau-là. Bon, il y a quelques éléments, je ne sais pas s'il y en a d'autres que j'aurais pu apporter, mais j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Oui, alors du coup, vous avez répondu en grande partie à ma question, parce que ce qui m'intéressait, c'était justement ce refus de théoriser des nouveaux systèmes sociaux, mais plutôt d'expérimenter. Donc, j'aurais voulu savoir ce que, au-delà des coopératives de consommation, il pouvait y avoir dans les communautés dans lesquelles il s'est investi, mais bon, vous y avez répondu. Il y avait une autre question, bon, alors qui est peut-être moins centrale, mais qui est centrale pour l'époque quand même. À partir de 1914, il y a un élément qui a conduit à des scissions au sein des partis de gauche, et notamment au sein du SPD, c'est le pacifisme et la lutte contre le militarisme. Et jusqu'en... Alors, peut-être encore plus après 1919, mais ça a joué quand même un rôle important. Et est-ce que Landauer a pris position dans ce débat ? Oui. Effectivement, Landauer et son épouse, Edwige Lachmann, ont été, pendant les années de guerre, très isolés, puisqu'ils ont fait partie des rares, au sein du mouvement anarchiste, mais même des rares de leurs contemporains, à être dès le début convaincus qu'une position hostile à la guerre était à assumer pleinement. Leur pacifisme à cet égard a été vraiment source d'une incompréhension très vive, avec y compris des très proches à eux. On a des échanges épistolaires entre Buber et Landauer, où Landauer va taxer son ami de Kriegsbuber, le Buber va en guerre, précisément parce qu'il avait lui-même cédé à ces sirènes guerrières de l'époque. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le pacifisme de Landauer à ce moment-là va aussi de pair avec une idée humaniste, finalement, que les divisions nationales, et là on voit quelque chose quand même qui devrait pourtant résonner avec l'idée qu'on peut se faire de l'anarchisme, que les divisions nationales et étatiques en particulier ne sont pas suffisantes pour justifier le massacre qui allait advenir. Et pourtant, on voit effectivement au sein même du mouvement anarchiste, comme dans la gauche social-démocrate, de nombreux acteurs importants.
prôner le départ en guerre en reprenant cette rengaine, l'idée que voilà que l'Europe était pourrie, avait besoin de se régénérer, hein, et qu'un esprit européen devait se régénérer dans ce conflit. Là-dessus, effectivement, dès années 1910-1911, avec des crises qui font déjà redouter la guerre à venir, Landauer va écrire plusieurs textes cherchant à mettre en garde contre la guerre à venir, parce qu'il y voit effectivement un désastre humain, simplement, tant en termes de coûts pour les vies humaines, mais aussi par rapport à cet esprit qu'il cherche à régénérer, et qui, selon lui, se trouve aussi bien chez l'allemand que l'anglais, que le français. Et il y a justement une pensée du transnational chez Landauer qui est très importante. Enfin, je disais, c'est un traducteur et c'est déterminant, je pense, par rapport à sa vision du monde aussi. Hein. Il écrit un moment dans une de ses lettres à Max Nettlau, qui est quelqu'un qu'on a appelé quelquefois l'Hérodote de l'anarchisme, parce qu'il a été un grand historien qui a fait une documentation monumentale sur le mouvement anarchiste de son époque. Il est contemporain de Landauer. Il vit en Suisse. Nettlau, Landauer lui écrit en commentant son activité de traduction. Voilà, lorsque je lis un texte en français, si à un moment donné je parviens véritablement à en saisir toutes les nuances sans pour autant forcément trouver le mot dans ma langue pour l'exprimer, alors à ce moment-là, je deviens français. Et il n'est pas à exclure que quelque chose de mes expressions faciales, de toute ma gestuelle corporelle, elle-même épouse cette identité-là. Et donc Landauer, qui était en même temps très allemand, hein, qui se dit allemand, qui assume cette identité, en fait, il prône une pluralité des identités. Et c'est-à-dire que j'essaie un peu de rendre compte de ça aussi, de cette tension en sa pensée. À un moment, il écrit au même Nettlau, à qui il dit « À vous, je sais que je peux le dire, parce que je sais que vous ne vous méprendrez pas sur ce que je veux dire. Je suis nationaliste. » Ça peut faire bizarre. Mais je suis nationaliste de quelle manière? D'une manière qui exclut le lien déjà entre la nation et la terre, première chose. Donc une nation de l'esprit et pas de l'appropriation du sol. C'est une première distinction importante. Et d'autre part, je suis nationaliste comme allemand, je suis nationaliste comme bavarois, je suis nationaliste comme juif, etc. C'est-à-dire que finalement, c'est la somme des identités au sein desquelles en lesquelles il se reconnaît, qui le constitue, mais aucune d'entre elles ne doit être exclusive des autres, chose qui est essentielle pour lui. Et ces identités-là ont par ailleurs vocation à s'enrichir sans cesse et à se répondre. Mais il lui semble essentiel, effectivement, de nourrir ces identités-là plutôt que de les opposer pour chercher à éventuellement en anéantir certaines au profit d'autres. Moi, j'ai peut-être une. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. J'ai peut-être une dernière question, du coup. C'est au fil de la présentation, il y a une réflexion et des questions. Il y a une réflexion qui m'est venue, et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu. Quelque part, aujourd'hui, Landauer, il a deux héritages qui se confrontent. À la fois, le mouvement des consommateurs qui est BDS, c'est-à-dire ce mouvement de boycott des entreprises liées à l'État d'Israël, où on va appuyer en fait sur ce qu'on achète pour pouvoir faire une pression politique sur une situation qui n'est pas acceptable, et en même temps le kibboutz, dont tu nous as un peu expliqué, mais justement tu nous as un peu mis ça en suspens sur son influence, sur la création de ce mode d'organisation. Est-ce que tu peux revenir justement là-dessus? Et peut-être, alors c'est un peu difficile ce que je te demande, mais est-ce que aujourd'hui la situation israélienne, elle correspond à ce que lui a voulu mettre dedans quand il a pensé ce mode d'organisation et qu'il a commencé à créer ses communautés? Non. Merci. Effectivement, tu as raison de pointer du doigt ces deux héritages-là. J'ai dit tout à l'heure rapidement, et effectivement, ça demandait d'être un petit peu développé, les premières communautés d'implantation juive en Palestine, donc les premiers kibbutz, sont créés peu de temps après la mort de Landauer.
Et alors, il faut voir que le sionisme, ce projet d'implantation juive en Palestine, est bien plus ancien que la création de l'État d'Israël, à proprement parler, et que c'est voilà, à partir autour du moment 1900 qu'on en parle déjà, avec des versions assez différentes. Alors, c'est quelque chose que j'ai vu qui est documenté sur la table en bas. Il y a pas mal de livres qui permettent justement de se faire un peu une idée de ce qu'a pu être le projet sioniste à un moment donné. Mais le Landauer, je dis qu'il est qui vient d'une famille juive intégrée, ce qui signifie que concrètement il ne reçoit aucune éducation juive et que ça lui est assez indifférent. Il se considérera comme athée toute sa vie, même s'il s'intéressera à la religiosité pour différentes raisons qui le fera d'ailleurs rentrer dans son projet politique, pas par le Geist. Le Geist, chez Landauer, il est tout sauf religieux, d'un sens, on pourrait en reparler, mais c'est la dernière question. Cela dit, la question de la judaïté chez Landauer, elle est quand même importante, parce qu'au bout d'un moment, il redécouvre cette identité-là qui ne lui paraît pas inintéressante. Et surtout, c'est quelque chose, donc encore une fois, qui marquera la réception de Landauer, puisque Martin Buber, qui lui, par contre, est juif, croyant, pratiquant, et qui sera l'une des figures du premier sionisme, va chercher à concrétiser l'idée de communauté landauerienne en Palestine. C'est d'ailleurs pour ça que dans les années 20, on a des traductions en hébreu et en yiddish des textes de Landauer, qu'on a des commentaires importants de ses œuvres qui paraissent dans ces langues aussi, et que les premiers kibbutz, effectivement, se créent dans l'esprit de Landauer, c'est-à-dire des communautés autogérées qui interagissent entre elles librement, avec vraiment ce référentiel qu'il élabore là-dedans, qui va nourrir la réflexion. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, on parle ici d'un moment qui n'a à peu près rien à voir avec les situations qu'on connaît aujourd'hui, et que Martin Buber, qui donc est un sioniste convaincu, cherchera, comme d'autres associations sionistes du vivant de Landauer, à l'impliquer dans le mouvement sioniste, parce qu'ils estiment que quand même il a quelque chose de fort à apporter et qu'ils ont beaucoup de choses à se raconter. La raison pour laquelle Landauer se refusera finalement à s'impliquer dans le mouvement sioniste, c'est parce qu'il estime que, en fait, il y a un particularisme là-dedans qui lui paraît incongru. Pourquoi faire ça entre juifs? C'est une super idée, ces communautés, mais pourquoi faire ça entre juifs alors que ça devrait toucher tout le monde? La question de la cohabitation en Palestine, avec les personnes qui y vivent déjà, est quelque chose qui est travaillé de manière quand même beaucoup plus fine chez Buber que chez ceux qui, par la suite, imposeront des colonies d'implantation en allant chasser les habitants qui se trouvaient déjà là. Buber, c'est un philosophe qui est, si on devait mettre quelques étiquettes dessus rapidement, philosophe des religions et philosophe du dialogue. Et son livre le plus connu s'appelle « Je et tu », paru en 1926, dans lequel justement il pense le dialogue. C'est à la fois une pensée théorique et c'est une pensée aussi pratique. C'est-à-dire que le dialogue interculturel, notamment dans ce qui deviendra l'État d'Israël, est au cœur des préoccupations de Buber. Et que là où un certain nombre de colons vont adopter la posture assez classique du colon, consistant plutôt à faire place nette devant eux, Buber, lui, aura vraiment à cœur, me semble-t-il, de créer les conditions d'une cohabitation acceptée et acceptable entre tous. Donc ça, c'est effectivement un héritage concret, durable, de ce qu'avait voulu Landauer. Ce qui est intéressant après aussi, tragique peut-être, mais intéressant, c'est de voir comment, là aussi, cette impulsion initiale n'était pas gravée dans le marbre et faite pour durer éternellement, et que ce que sont devenues ces colonies par la suite, eh bien ça ressemble beaucoup plus aux kibbutz d'aujourd'hui, qui peut-être se sont davantage refermés, et que c'est aussi, évidemment, au cœur du problème, cristalliser une opposition politique basée sur un certain nombre de rapports inacceptables de part et d'autre, une opposition politique forte entre les habitants de la Palestine et ceux qui sont arrivés par la suite pour créer l'État d'Israël. Donc, à cet égard, je pense que Landauer, comme Buber, aurait été depuis un certain nombre de décennies atterré de voir ce qu'est devenu ce projet-là. Donc, effectivement, après la question du boycott que tu évoquais au début, en fait, ça intéresse moins directement Landauer, mais
soutenir un État quel qu'il soit, et a fortiori un État qui a un recours aussi manifeste à la violence pour exterminer une partie des personnes se trouvant sur son territoire, bon, bah, là-dessus, il aurait eu tout à fait des choses à redire, il n'y a aucun doute. Mais ce qui est intéressant, c'est bien de voir que certaines réalisations concrètes, effectivement, méritent d'être... observés dans leur contexte d'émergence, et que surtout, c'est là peut-être l'intérêt de l'approche que j'ai pu avoir, qui est celle d'une approche d'histoire de la philosophie, de voir que les idées comme les réalisations évoluent, vieillissent, et qu'on ne peut pas forcément lire avec les grilles d'aujourd'hui les événements d'aujourd'hui, de même que les événements d'hier ne peuvent pas être lus sans forcément traduire ce qu'on a pour les voir. J'espère que c'était clair. Oh, cette conclusion était magnifique. merci beaucoup. Et merci pour cette présentation.